Bonsoir Facebook, bonsoir à toutes celles et ceux qui regardent ce live. Marie-Christine Eustache en direct. Alors, j'ai mis un titre à l'attention de celles qui ont l'intime conviction qu'une autre vie est possible. Pourquoi? Je suis en train de travailler, retravailler mon positionnement. C'est des choses qu'on fait très très régulièrement. De se re-questionner à qui je m'adresse, à qui je suis utile, qui je peux servir au mieux. Et ce qui est venu cet après-midi de la séance de travail, c'est que c'est vraiment à l'attention des femmes, ou quelques hommes, ça peut arriver aussi, qui ont l'intime conviction qu'une autre vie est possible. C'était mon cas il y a quelques années. J'avais une vie de merde, clairement. Je me prenais la tête, c'était compliqué, c'était la galère, etc. Mais au fond de moi, je savais qu'autre chose était possible. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, je ne savais pas comment j'allais pouvoir le réaliser. Voilà, j'étais vraiment dans l'inconnu total, mais au fond de moi, ça résonnait de se dire autre chose est possible, autre chose est possible. Et moi, là où je viens vous aider, là où je peux vous servir, là où je peux vous accompagner, eh bien, c'est justement à clarifier cette autre chose, cette autre vie, cette autre que vous voulez vivre concrètement. C'est vrai que c'est ce que j'ai fait, en fait, déjà avec les personnes que j'ai accompagnées, de les aider à clarifier, à mettre au clair un peu les espèces de pelotes de nœuds qui, bien souvent, pour savoir. Qu'est-ce qui fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui fait vraiment plaisir? Qu'est-ce qui donne des étoiles dans les yeux? Qu'est-ce qui fait des frissons dans le dos, etc. Et justement, c'est ce qu'on a pu toucher avec Fanny dernièrement sur le coaching. Voilà, sa voix, il y avait du bonheur dans sa voix, il y avait du plaisir, on sentait les yeux tout de suite qui s'illuminent et tout. Voilà, parce que ça y est, elle avait trouvé. Enfin, vraiment ce qui lui plaisait. Et après, ben une fois qu'on a vraiment, que je vous ai accompagné à vraiment mettre en lumière ce qui vous plaît, c'est pas, c'est une recherche en fait qu'on a au fond de nous, mais on a besoin de quelqu'un pour aller voir un petit peu les choses. On a besoin d'un feedback, on a besoin d'avoir un échange en fait pour pouvoir mettre ça à jour. Et bien après, on va pouvoir mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut réaliser concrètement? C'est quoi le parcours? Qu'est-ce qui va être utile? Qu'est-ce qui ne va pas être utile? De quoi on va avoir besoin en premier, rapidement? Est-ce que ça va être de dégager du temps? Est-ce que ça va être de dégager des finances? Est-ce que ça va être de retrouver de l'énergie? Est-ce que ça va être autre chose, peut-être? Et donc, c'est ça qu'on clarifie ensemble. Pour pouvoir avancer plus rapidement. Et puis évidemment, moi je vous donne les tips, les raccourcis, d'accord? Les raccourcis pour gagner par exemple plus de vitalité, pour gagner du temps, pour mettre en place des petites choses simples pour les finances. Et puis après, je vous donne aussi les ressources, c'est-à-dire qu'il y a tout plein de monde en fait dans l'environnement du développement de soi, du développement de ses projets. Il y a tout plein de personnes super intéressantes, super efficaces, qui vont vous pouvoir vous aider des fois sur des points très précis. Je pense par exemple aux finances ou par rapport à la vitalité, la santé. S'il y a des choses très précises dont vous avez besoin pour travailler, eh bien j'ai des noms pour ça à vous donner. Et c'est ça qui me plaît. Parce que là, du coup, je vous donne. On travaille ensemble une ligne directrice et puis je vous donne. Les options que vous pouvez prendre pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour mieux avancer. Et je vois après des personnes voilà, qui ont eu des avancées auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et c'est chouette parce que, en fait, lors de l'accompagnement qu'on faisait ensemble, je sentais qu'il y avait encore des blocages, etc. Mais ça met le temps. Puis là, tout d'un coup, pof! La fusée est partie. Ça y est, ça a décollé. Et c'est génial. Voilà. Et donc ça, c'est mon bonheur. En fait, c'est vraiment ça, mon bonheur, de vous accompagner
à développer vraiment ce qui vous tient à cœur, votre intime conviction, de vous aider à mettre à jour vraiment le truc qui vous fait vibrer. Ça peut être de reprendre un autre type de travail salarié, comme ça a été le cas pour quelqu'un que j'ai accompagné. Ça peut être de récupérer la femme de sa vie pour un homme. Ça peut être de quitter son job pour oser aller faire la formation enfin pour avoir un nouveau métier, etc., etc. Et ça, je ne le sais pas à l'avance, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Mais par contre, je vous aide à clarifier ces choses-là pour aller vers votre bonheur. Et puis, bah, voilà, peut-être aussi le bonheur, le bonheur d'une vie à deux, voilà, comme moi j'ai pu mettre en place aussi pour rencontrer Jean. Parce que c'est quand même assez chouette de pouvoir partager la vie à deux. Aujourd'hui, on a passé une belle journée à se promener dans les Alpes Mancelles. Alors les Alpes, tout est relatif, hein. Le sommet le plus haut, il est à 417 mètres. C'est quand même pas très très haut. Par contre, c'est très vert. Il y a des très beaux points de vue à très loin. Donc c'est très très chouette. Et c'est bien agréable de partager ça. Donc voilà, là, vous voyez un petit coin du jardin, du logement que l'on a pour ce week-end. Donc on repart demain sur Nantes. Retour, fin du week-end. Et ben oui, ça passe assez vite hein, quand même déjà. Et retour sur le plateau avec mes collègues pour enregistrer tous les sinistres automobiles qui ont eu lieu durant le week-end. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et bien, avec mon chéri, nous allons regarder ce soir Échappée Belle. Apparemment, c'est sur les grands lacs d'Italie. Donc, on va aller rêver d'un prochain voyage potentiel en Italie sur le lac de Côme et les autres grands lacs qui sont très très beaux paysages, des très belles demeures tout au bord. Voilà, c'est aussi ça, de développer le rêve, de savoir qu'autre chose est possible. On continue à cultiver. Bonne soirée et à très bientôt.